Salut les amis, aujourd'hui on a rejoint les copains, on roule à domicile, on va aller se faire des super descentes encore sur le fenouiller. Il y a Bertrand, la chaîne VTT Evolution, ah, regardez, il est là, il vient d'arriver. Salut. Là on est content parce qu'on peut laisser les voitures à la maison et venir en vélo. Alors là on va se régaler mais surtout en descente, vous allez bien voir ça en vidéo. Bon allez c'est parti, on est au crapa du fenouiller là et on a changé l'itinéraire, on va monter directement par une montée de la mort qui tue, on va se tuer, on va se montrer, on va se défenestrer. On va vomir. Ouais on va vomir, je suis pas loin en plus moi déjà. Allez ben, on a commencé dur hein, comme je vous l'avais dit. Histoire de s'échauffer. De suite les jambes. Allez Enzo, on lâche rien. Allez, ça monte toujours. Ouh, tiens. Je regrette d'avoir pris celle-là. D'entrée, elle fait mal. Ouh, cardio à 2000. Uf. Ça ferait pas. Ouais, première partie single finie. Oh, on va essayer de se refaire dans le reste de la montée, là, récupérer un petit peu, refaire descendre un peu le cardio parce que ça a été violent. Là. Allez, on est en haut. Bon, regardez, voilà, on est monté. Regardez-moi ce petit point de vue. Manque le soleil aujourd'hui. On ira là-haut là, je crois. On ira jeter un coup d'œil à la croix. Mon doudou. Allez, c'est parti. Donc on s'est regroupé et on attaque la première descente. Enfin, le premier petit tronçon. Ce qu'il y a de bien sur la croix, contrairement à la sortie du week-end dernier, c'est que tu montes, paf, tu redescends. Paf, tu montes, tu redescends. Ça, c'est bien par contre, t'attends pas et tu t'éclates. Ça, c'est une petite trace GPX à prendre, les amis. Si vous voulez vous amuser, la croix, c'est fait pour ça. Celle-là, pour mettre en jambe, elle est bien parce que pas trop technique, des petits pifs, paf, pam, pam. En plus, je suis pas bien aujourd'hui. Je suis malade, j'ai mal au cœur. Ça fait du bien. Ah ouais, c'est pas fini. J'ai parti. C'est pas trop technique. Ouais, c'est bon, tout droit. J'attends, t'inquiète pas. Ouais. Après avoir fait le circuit, c'est reparti. On va éviter de se reperdre dans la foulée. Allez, on avait cette évolution devant. Une lame au guidon, on va essayer de le suivre. Chéli, effronté va. Oui. Yes. Un peu plus serein que d'habitude. Ouais, joli. Joli, joli! Allez, 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 go! Y'a pas de frein! Oh! Après
après cette régalade, c'est reparti pour une belle petite, un beau petit coup de pétard là. On va se faire un petit morceau de goudron là, avec un angle de 90 degrés quoi, pour aller rechoper un beau petit single encore. Ah là 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 là, je crache les poumons les amis. Allez, on est dedans. Je l'avais dit, pas la grande forme aujourd'hui, je suis bon dernier. Je fais des gouttes, j'en peux plus. J'ai l'impression d'être sur un bateau. J'ai la nausée, c'est terrible. Encore un tout petit peu et on arrive au bout. Ça va redescendre de suite. Puis on a de la chance d'avoir des points de vue de folie. Oh Didu ! Ça va ! Allez, go ! Allez, c'est parti ! Bon, bah, c'est ni plus ni moins, on l'a faite il n'y a pas longtemps celle-là. Normalement, vous l'avez déjà vu, elle est pentue celle-là. Il devrait y avoir du grip parce qu'il n'a pas plu. Il n'y a pas le soleil dans les yeux pour nous emmerder. Enfin, non, voilà. J'ai pas d'excuses. Si je suis pas bon, je peux m'en prendre qu'à moi. Bon, il y a quand même Hervé devant, donc ça fait une excuse. Il y a Hervé qui me mouchonne devant. Voilà. Allez, Hervé ! Yeah ! Ah, mais Hervé, t'as Jean-Louis devant qui te mouchonne, c'est pour ça ? Ah, voilà ! Terminé celui-là. Ça va remonter maintenant. Et ouais, je vous ai dit, sur l'accro, il n'y a pas de temps mort. Tu montes, tu descends, tu descends, tu montes, tu montes, tu descends. Et là, c'est reparti pour un bon pétard sévère. De toute façon, il n'y aura que de ça tout le long de la sortie. Et on va aller se rechoper un joli point de vue et surtout une superbe descente. Bien technique, avec un petit final, un petit toboggan au final qui te laisse le cœur en haut. Allez, on se retrouve là-haut. Allez, petit 360. On est en haut. Château d'Hier là au fond. La mer. Le soleil qui commence à percer. Et les copains. Et moi. Allez, c'est reparti. M'envoyer au casse-pipe en premier pour que je les filme sur le toboggan en bas là, mais c'est le bâtard. Je leur ai dit, bah, laissez-moi 10 minutes d'avance alors. Sur une descente qui doit être faite en 2 minutes, normalement, je devrais arriver en haut. Bah, bah. Surtout que si j'ai de bons souvenirs, ouais, elle est technique et pentue. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais ça passe. Tout, c'est d'être souple et détendu, comme dirait le capitaine. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je le suis un peu plus. Ça va
Ça, je peux pas tomber, hein. Allez, là, je suis tout seul. Celle-là, elle est toujours aussi impressionnante. Allez, lâche tout. Oh, qu'est-ce que tu fais par terre? Ah, merde. Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon, c'est bon. Je vais à ce vélo-là. Oh, je suis passé tout là. Oh, putain, c'est raide là-haut. Mais ça passe, hein. Allez, ça passe, y'a rien là, tout. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, oh, tu voyais plus rien derrière, hein. Ah, oh, ouais, putain. Tiens. C'est mauvais, en gros. Il y a eu un moment donné. Là, par contre, t'avais moyen de garder l'énergie. Ouais. Allez, yes. C'est où le mur? Ouais, ouais, mais... Là, pour l'instant, je veux rien dire, mais... C'est Jean-Louis, c'est Jean-Louis. Ouais, ouais. On peut pas... Voilà, sur la vidéo, ça va faire mal, ça. Encore. Il y a quelqu'un qui peut pas... Ah, 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 t'as une chance. Ça passe. Il y a Enzo qui se sent. On te regarde, Enzo. On te regarde pas. Il y a pas de marche, il y a rien. Enzo, fais gaffe à toi. Allez, lâche tout. Ouais, Enzo. Bon, pas mal, tu mets une olive dans le cul, tu tires un litre d'huile, mais bon. Ok, c'est pas bien arrivé. Ah, c'est bien. Allez, on lâche tout là. Ouais, joli but. Ah, mais va dessus. Ah, mais c'était énorme. Ah, genre de single. Attention, il y a les chiens surtout, attention. Bonjour. Oh. Reste devant, Jean-Louis. Oh, allez, regardez Jean-Louis, comme il est beau, comme il est svelte, des trajectoires magnifiques. Un freinage au ciseau, au cordeau, pan pan, incisif. Jean-Louis, c'est mon frère de plaquette, lui aussi, il change un jeu à chaque sortie. On est les plus grands acheteurs de plaquettes du Var. Gauche. Elle était pas bonne celle-là. Ah, j'ai fait un peu briller le maillot là. Ouais, là t'as fait briller le maillot là, c'est vrai. J'ai obligé de remonter. Obligé parce qu'avec la vignette. Mort. Si je chute encore là-dedans. Avec la vignette qu'il va y avoir, il valait mieux remonter le maillot. Quel salaud celui-là. Bon, après cette belle descente. Eh ben, on se réchauffe un petit peu les cuisses. Sur un petit chemin sympa là. Un peu moins cardio que les autres là. Enfin, à part sur la fin où ça va déboîter, mais là ça va, ça permet de se refaire un peu, surtout quand on est à l'agonie comme moi là. Bon, mais on s'accroche, hein. Je suis encore bon dernier aujourd'hui. Il y a des jours, hein. Là j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Je fais tout sur le vélo, mais vraiment pas vite.
j'espère que ça ira mieux pour la prochaine sortie. Je vous l'avais dit, le coup de cul de la mort. Allez, go, ça monte encore. Ah, tant pis, c'est pas grave. C'est Christophe qui m'a arrêté, vous avez tous vu. Bon, ben, mon courage a des limites. Oh. J'en peux plus, l'ami. Ah, c'est... toujours autant mal au cœur. Ah, vivement que ça se finisse. Bon, à l'agonie, mais regardez ce qu'on va chercher en termes de point de vue. Ça reste quand même pas mal. Jeff, si tu vomis, c'est devant l'appareil photo là. Si je vomis, c'est là, là. Ils ont dit, j'en peux plus. Ils se foutent de ma gueule en plus, les bâtards. Allez, ça roule dans un petit single là, tranquille. On va essayer de se refaire un peu avant la dernière grosse montée et se faire plaisir sur la dernière descente. On va dire que je l'aurais fait cette sortie. Content quand même. Bon allez, ça continue à monter tranquillou là. Ah, j'ai chanté un petit morceau pour la route là, je l'ai rejoint un peu plus bas. Ah putain, j'ai de plus en plus de remontées, je suis fatigué là, je suis crevé, j'ai plus rien dans les jambes. Alors, on s'économise comme on peut. Et recrue du club ça, école VTT de notre joli club, il vient de me mettre une mine en montée, il m'a tué. Ah, ah moi je suis là, moi. Ouais, c'est bon, ouais. C'est fait d'estroncher là. Bon, j'ai lâché. Là aussi. Putain, ça fait chier. D'habitude, ça se fait sur le vélo. Ça. Enfin, c'est pas grave. C'est dur psychologiquement, mais... comme ça. Parti, c'est là, c'est dîner. Tant pis. Ah, allez, c'est reparti. Je sais pas si le rush d'avant il aura marché parce que la caméra l'a bugué, mais c'était super en filmage. On verra bien pour montage. Donc, on est sur une descente, ça fait, je sais pas, j'ai jamais pris celle-là. Et du moins, je m'en rappelle pas. Donc, il rincé. Eh ben, faut faire gaffe. On clôture la sortie en beauté. Ça a piqué du nez quoi, chaque fois que tu freines. Ouais, ça passe. Oh, ça a sauté. Au moins ça a enroulé. Ah ouais, je me rappelle ça. J'ai jamais eu ici. Alors, à mon avis, sur la fin, ça va être du costaud. Oh tant pis. Ah. Allez, troisième partie.
ça vous donne pas envie franchement de venir rider ici. C'est descendre comme ça. Hop là, j'ai chopé quelque chose dans la roue. Hop. Attends. Ah, c'est bon, c'est enlevé. Allez, c'est reparti. Choper une branche en travers de la roue arrière. Wow, serré à gauche. Je vais m'aider, c'était plus technique. Oh, c'est passé. Oh, sa mère. Oh, là aussi. Oh, 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 je suis fier de moi là. Oh là là, parce qu'en plus je suis pas rentré bien comme il fallait dedans. T'es passé à gauche ou les deux? J'ai passé les deux. Je l'ai jamais passé celle-là. Je l'ai jamais passé sur le vélo. Donc tu payes à boire. Au top. On pourra payer à boire. Ouais. Ah, elle était pas géniale celle-là. Ah, il a fait un cri. Allez, ça continue. C'est pas fini. Je crois qu'on a passé le plus dur. Première fois que je la fais sur le vélo. Parce que je l'avais déjà faite celle-là. Et tu vois, c'est parce que quand je suis complètement à l'agonie, j'ai pas réfléchi. Quand je suis arrivé dedans, c'était trop tard. J'ai dit, ben tant pis. Maintenant j'y suis. Où ça passe? Où ça casse? Et puis ça passe. Ça passe. Je suis certain que je la refais demain. Lucide. Je m'arrête, je la passe pas. Mais là, on est parce que c'est le cerveau qui fait ça. Obligé de pousser les VAE quand ils ont des problèmes électriques, erreur. Voilà. Heureusement que les musculaires ils sont là. Je pense que c'est dans... Bon, mais voilà, après cette magnifique dernière descente là, bien technique pour clôturer tout ça. On va se retaper quelques tours de roues qui vont nous ramener aux voitures. Ben c'était pas gagné, mais clôturer la sortie malgré moi que je sois malade et que je sois rincé à la fin. Dernière descente, c'est super bien passé malgré mes appréhensions de fatigue. Bien au contraire, j'ai l'impression que ça m'a plus aidé à débloquer que le cerveau qu'autre chose. Et puis ben voilà, j'espère que dimanche prochain ça ira mieux. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.